Voilà, et puis on a aussi une question d'auditrice à laquelle on voudrait essayer de répondre rapidement aujourd'hui. Oui, en fait, c'est une auditrice de France qui nous fait une petite comparaison, une petite image avant sa question. Elle nous dit, laisse-t-on des enfants seuls dans une maison avec, par exemple, une barre de chocolat en évidence, avec interdiction d'y toucher? Dieu a installé Adam et Ève dans le jardin d'Éden avec la possibilité de manger des fruits de tous les arbres, sauf de celui de la connaissance du bien et du mal, interdiction formelle d'en manger. Et Dieu, en plus, savait que le tentateur rôdait. N'était-ce pas une tentation trop forte? Dieu ne connaissait-il pas la nature de l'homme? Alors, c'est une question, j'allais presque dire classique, qu'elle nous pose. Mais ce qui est intéressant, c'est sa dernière phrase. Elle dit « Dieu ne connaissait-il pas la nature de l'homme ?» Alors là, il faut faire une petite précision, France, c'est que quand on lit le texte biblique, justement, à propos de la nature de l'homme, dans Genèse chapitre 1, verset 31, le dernier verset du chapitre, il est dit « Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. » Donc, non seulement l'environnement dans lequel se trouvaient l'homme et la femme était très bon, mais eux-mêmes étaient très bons. Il n'y avait pas de racine de mal. Nous, aujourd'hui, parce qu'on est des enfants d'Adam et Ève après la chute, ouais, on a en nous cette racine de rébellion, de curiosité saine ou malsaine, ouais, de vouloir faire ce qu'on nous interdit. On a le péché en nous. Hein. Voilà, la convoitise. C'est là qu'on voit qu'on a ça. Mais ce n'était pas le cas d'Adam et Ève. Adam et Ève avaient toute la possibilité, toute la capacité, bien sûr, en relation avec Dieu, de résister à cette tentation et de ne pas manger de ce fruit. Et il faut bien comprendre que l'histoire du péché, c'est beaucoup plus qu'une histoire de barre de chocolat. Ce n'était pas juste la convoitise. Ce que l'homme et la femme ont accepté, en fait, c'est ce que le serpent leur a dit. Ouais. Dieu vous a menti. Hein? Vous pouvez être comme des dieux et vous pouvez être immortels. Autrement dit, ils ont accepté cette idée que Dieu n'était pas digne de confiance, bien que Dieu ait été plein de bonté, ouais, et digne de confiance jusqu'à ce moment-là. Et Dieu il ne leur avait pas donné de signe quelconque qui leur mentait ou qui leur cachait quoi que ce soit. Ils n'avaient aucune raison objective de douter de Dieu. De douter de Dieu. C'est un peu comme si aujourd'hui, vous avez un super patron qui vous traite bien, qui vous paye de manière juste, qui s'occupe de vous et qui est un homme bon. Et puis, vous avez un collègue qui vient puis qui vous dit « Non, mais tu sais, il fait tout ça pour toi, mais en fait, il t'exploite. » Vous n'avez pas de raison objective, mais si vous écoutez la voix de la personne qui vous dit ça, alors votre relation avec votre patron va changer. La relation d'Adam et Ève avec Dieu a changé. Mm. Et c'est ça qui a amené le péché sur cette terre. C'est pas leur péché n'était pas le même que les nôtres. Disons qu'en tout cas, ils n'avaient pas de tendance. C'est ça. Au mal. Mais Dieu, heureusement, est bon, il avait un plan pour les sauver. Ouais. Voilà ce qu'on peut dire en quelques mots à notre auditrice. Merci, Rémi. Merci à notre auditrice et merci à toi, France. Ça me fait plaisir.